Bonjour Maxence. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Maxence Caputo, j'ai 37 ans. Je suis actuellement donc séminariste en cinquième année au séminaire, donc c'est mon avant-dernière année. Je suis formé au séminaire d'Orléans et donc depuis septembre, je suis ici sur la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon de Valenciennes. Et les années passées, c'est surtout sur Douai où j'étais présent, donc c'est ma ville aussi d'origine, où j'ai passé une grande partie de ma jeunesse. Alors je suis originaire de manière générale du Douaisis. J'ai passé mon enfance à Orchy et donc avant d'être séminariste, c'était Douai, ma ville, mon lieu d'habitation. Comment avez-vous ressenti votre appel à devenir prêtre? Alors, c'est une très longue histoire. En fait, tout commence en étant, quand j'étais vraiment très petit, je pense. Dieu était déjà présent avec moi à ce moment-là. Puisque, alors, c'est mes parents qui me racontent ça. Voilà, quand je devais avoir 3-4 ans, je cherchais, quand j'étais en voiture, je cherchais après les clochers des églises dans le paysage, et quand je passais à côté d'une église, j'avais cette volonté de rentrer à l'intérieur. Alors je n'ai absolument plus aucun souvenir de ce moment-là. Mais voilà, le fait que mes parents me disent déjà qu'à cette époque-là, l'église, le bâtiment église m'interpellait, moi ça m'a fait réfléchir, puis ça m'a interrogé. Donc je pense que Dieu est présent à côté de moi, tout du moins depuis très longtemps. Et puis voilà, cette volonté de devenir prêtre, elle s'est faite après mes études supérieures. Donc j'ai passé un diplôme d'histoire et d'archéologie, donc spécialisé en archéologie romaine. Ça m'a donné l'occasion de visiter Rome plusieurs fois et donc le Vatican. Et le fait d'étudier, alors voilà, l'architecture religieuse m'a interpellé au fond de moi-même. Ce qui a pu être aussi déterminant pour moi, alors ça se passait un dimanche, donc j'étais au fond de mon lit, bien tranquille, et puis j'entendais les cloches d'une église de Douai sonner, et puis en entendant ces cloches, moi qui étais bien tranquille au fond de mon lit, j'ai été comme un peu comme mis mal à l'aise, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais au fond de mon lit alors en réalité Dieu m'appelle. C'était les cloches qui m'appelaient d'une certaine manière, donc au travers elles Dieu. Et à partir de ce jour-là, voilà, j'ai voulu assister tous les dimanches à la messe, de plus en plus régulièrement jusqu'à toutes les semaines. Et puis cette question a progressivement mûri dans mon esprit. Devenir prêtre, pourquoi pas. Mais il m'a fallu du temps, voilà, plusieurs années, puisque c'est pas commun de devenir prêtre, de vouloir devenir prêtre. Donc plusieurs fois j'ai refusé en disant non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je veux fonder une famille, avoir des enfants, etc. Mais voilà, Dieu était plus fort et il a fini par me rattraper. Et donc j'ai fini par céder en lui disant oui. Et donc voilà, donc je suis parti voir le curé de Douai de l'époque, le père Bernard des Carpenteries. Puis avec lui, j'ai cheminé, voilà. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Quel est le parcours de formation d'un séminariste? Alors au séminaire d'Orléans où je suis formé, la pédagogie est très individualisée, très personnalisée. Le séminaire s'adapte à chaque candidat. Puisqu'au séminaire, on a des séminaristes qui ont une vingtaine d'années, donc moi, je suis plus proche de 40 ans, il y en a qui n'ont pas fait d'études, d'autres oui. Et donc, le séminaire essaye de s'adapter à ces différents profils. Alors, malgré tout, on a des cours, bien sûr, qui sont fixés, qui sont obligatoires. Donc, des cours de théologie, de philosophie, d'exégèse, d'histoire. Voilà, on a plusieurs sessions qui nous permettent d'écouter, de savoir appréhender la pastorale, comment se comporter. Donc voilà, on a plusieurs domaines
qui nous permettent de permettre de répondre aux attentes aujourd'hui de l'Église et puis des gens qui nous attendent, qui demandent à rencontrer le Christ. Donc voilà, le parcours est complet, le parcours est personnalisé. Et y a-t-il une sélection des séminaristes à l'entrée, tels que des diplômes ou encore des qualités requises ? Alors, il n'y a pas de diplôme à proprement parler, puisque toute personne qui sent l'appel de Dieu doit pouvoir y répondre, quelles que soient ses origines, son parcours scolaire. Alors, néanmoins, ça reste quand même une vocation assez intellectuelle. Ce n'est pas du tout manuel, donc... c'est bien quand même d'avoir un certain bagage avant. Alors d'avoir le bac, ce serait l'idéal, mais tout le monde ne l'a pas. Et c'est pour cette raison que le séminaire s'adapte aux candidats qu'il reçoit. Mais il n'y a pas de sélection à proprement parler. Alors des qualités, oui, il en faut. Alors c'est des qualités qu'on peut déjà avoir en soi. Mais comme tout le monde, on a aussi des défauts. Et ces défauts, pendant toutes les années de séminaire, les formateurs vont essayer de corriger ces défauts, peut-être de les supprimer, de les contenir. Il y a un véritable travail fait sur notre humanité au séminaire, afin d'être des pasteurs comme l'Église le recommande, c'est-à-dire à l'écoute, ouvert, accueillant, disponible pour tout le monde. Et c'est ces qualités-là qu'on va essayer de chercher quand on est séminariste. Et dans l'idéal, après 7-8 années de formation, donc ce qui va être le cas pour moi, donc je vois, quand je rentre au séminaire, je vois comment j'étais, je vois maintenant où j'en suis. Donc il y a vraiment une évolution qui s'est faite en moi. Donc je peux remercier le séminaire pour ça, de m'avoir fait grandir. Et quand l'évêque appelle le candidat à l'ordination, le candidat est censé être humainement, alors peut-être pas parfait, mais tout du moins se rapprochant un peu plus de la perfection que l'Église demande. Est-ce que vous êtes aidé dans votre démarche de séminariste ? Est-ce que vous êtes aidé dans votre discernement à devenir prêtre ? Alors on est accompagné. Durant toute la formation. Donc, on a un père spirituel, donc un formateur au séminaire qui nous accompagne. Donc, il va nous écouter sur le fort interne, donc sur ce qui habite le plus profond de notre cœur, sur les troubles qui peuvent nous toucher et à qui on ne parlerait pas à tout le monde. Donc, l'accompagnement spirituel est vraiment très important et essentiel dans la formation d'un séminariste. Mais on a aussi les autres pères formateurs qui peuvent nous conseiller, nous aider, à grandir. On a aussi nos frères séminaristes qui sont très utiles dans la formation, puisque très rapidement, ils peuvent devenir des confidents et des personnes qui nous aident aussi à grandir. Et puis les paroissiens. Qui nous encourage. Et on a besoin de beaucoup d'encouragement, puisque la vie d'un séminariste n'est pas rose tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des remises en question. Et le fait d'avoir des personnes qui nous écoutent, qui nous aident, c'est vraiment un apport, une présence en tout cas essentielle dans la formation. Quelle a été la réaction de votre entourage le plus proche, je pense à votre famille, vos amis, quand vous leur avez annoncé cette volonté de suivre le Seigneur? Alors ma famille qui n'est pas une famille pratiquante, elle est comme je l'appelle de culture chrétienne, c'est-à-dire éduquée dans la foi chrétienne, mais n'assistant jamais à la messe, par exemple. Ma famille a toujours été ouverte et bienveillante à mon égard. Avant d'être séminariste, ma mère, me voyant aller à la messe tous les dimanches, ne m'a jamais fait de remarques. Elle a parfaitement accepté. Elle m'a laissé libre de ce choix-là. Et quand je lui ai annoncé que je voulais devenir prêtre, elle a éclaté de joie, elle n'a pas non plus pleuré,
Mais voilà, elle m'a dit, eh bien, écoute, si c'est ce que tu veux faire, eh bien, suis cette voie-là. Donc, elle a toujours été très ouverte et très bienveillante à mon égard. Mes grands-parents m'ont dit, alors c'était peut-être encore un peu plus surprenant, qu'ils n'ont pas du tout été étonnés que je fasse ce choix-là. Je pense que si je leur avais annoncé que je voulais être pilote de chasse, par exemple, ça aurait été beaucoup plus étonnant pour eux. Mais voilà, le fait que je leur annonce que je voulais devenir prêtre, ça les a pas du tout étonnés. Et donc, mes proches ont très bien accueilli voilà, ma volonté de devenir prêtre. D'accord. Et vos amis, est-ce que vous aviez un Ben, accord? c'était assez partagé. J'ai certains amis qui sont complètement athées, pour qui voilà, la religion est quelque chose qui leur est complètement étranger, voire voilà, presque incongru, pourquoi ça existe encore. Voilà, c'était peut-être un peu plus compliqué avec eux. D'autres ont voilà, parfaitement aussi accepté ce choix-là, puisqu'ils savaient que j'allais aussi, que je fréquentais l'église. Donc ils l'ont aussi très bien accepté, mais c'était un peu plus partagé. Au sein du doyenné de Valenciennes, avez-vous des missions particulières? Alors ici, ma présence cette année, pour cette première année à Valenciennes, est assez limitée, puisque je reviens ici en paroisse toutes les 2 semaines. Donc globalement, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est quelques missions seulement qu'on m'a confiées. Alors en particulier, j'accompagne les servants d'hôtel de la paroisse. Une autre activité, c'est d'accompagner aussi les enfants de 7 à 12 ans qui se préparent au baptême. Donc eux et leurs parents. J'accompagne aussi Magdala, donc voilà, qui s'occupe des personnes en situation un peu de précarité. J'ai quelques, alors de manière beaucoup plus ponctuelle, quelques liens avec des services du diocèse, alors la pastorale des migrants en particulier, auquel je suis membre. Et puis bien sûr la liturgie du week-end. Donc voilà, globalement, cette année en tout cas, mes activités principales. Pouvez-vous nous partager une joie, un fait marquant ou une rencontre à travers lesquelles vous y avez vu la présence du Christ? Alors j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. Alors d'une manière générale, on va dire la rencontre de l'autre. Donc, et en particulier des personnes les plus précaires. Alors, le souvenir que je pourrais vous citer, par exemple, j'ai eu un apostolat auprès de l'Arche, donc l'association qui accueille des personnes atteintes de handicap, voilà, mentaux. Et j'ai été très touché. J'ai vécu un mois avec eux et j'ai été très touché de les rencontrer et de partager avec eux. Et là où moi j'étais plus dans une posture, en arrivant dans une des maisons de l'Arche, de sachant ou de personne qui allait leur faire connaître le Christ, eh bien au bout de ce mois, c'est l'exact contraire qui s'est passé. C'est davantage eux qui m'ont évangélisé, qui m'ont appris à connaître Jésus. Et ça m'a beaucoup touché. C'était une de mes premières expériences. De ce type, c'est des premières fois que je rencontrais ces personnes et leur simplicité, leur manière d'être m'a fait comprendre beaucoup de choses qu'on lit dans l'Évangile, que Jésus dit. Ça m'a beaucoup éclairé et ça m'a permis aussi de relativiser un petit peu ce que moi j'étais, ce que je pouvais apporter. Et je repense souvent à ces rencontres que j'ai pu faire à l'Arche. Ça m'a appris à cultiver une certaine humilité aussi, et ça m'a appris aussi à comprendre que la découverte de l'autre, discuter avec l'autre, quel qu'il soit, était davantage enrichissant pour moi, voilà, que moi apportant un savoir voilà, ou autre chose. C'est vraiment dans la rencontre avec l'autre que finalement vous vous apportez mutuellement. Voilà, et c'est vraiment ça a été vraiment une des plus grandes découvertes, voilà, durant toutes ces années de formation.
la richesse de découvrir l'autre, de rencontrer l'autre dans sa diversité, dans son histoire. Et en fait, en réalité, c'est ce que Jésus fait dans les évangiles. Jésus va à la rencontre de l'autre à chaque page. Il va vers les plus petits, comme il dit, les malades, les plus pauvres. Il enseigne, donc il va vers l'autre. Et durant toutes ces années de séminaire, c'est vraiment ce que j'ai pu découvrir et ce que j'ai pu aussi expérimenter.